spirituel, les esprits impurs, les démons, le combat spirituel. Jean chapitre 14, verset 33. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, mais n'a rien en moi. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Rien en moi. En moi, il n'y a rien qui lui appartienne. Alors, s'il vous plaît, pendant ce temps de partage, je voudrais vraiment que chacun soit à l'écoute. Ne pas être perturbé, dérangé, et pour ne pas être distrait. Seigneur, nous te soumettons toutes les pensées, toutes nos pensées au nom de Yeshua. Que ton règne demeure parmi nous au nom de Yeshua. Amen. Il y a une sorcière, une personne sataniste parmi nous, qui sert Lucifer. Cette personne fait partie des démons, des sorciers qui contrôlent, n'est-ce pas, la ville où nous sommes. Tu as été mandaté pour, n'est-ce pas, empêcher que les choses se passent correctement. Et tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas, n'est-ce pas, à maîtriser, à empêcher la réunion de se dérouler normalement. Et je voudrais vraiment que tu viennes me voir à la fin. On va prier, je vais prier pour toi. Tu as été initié à la sorcellerie. C'est un appel que le Seigneur te lance. Tu as assez sacrifié, il est l'heure pour toi maintenant de servir le Seigneur. Jésus est la vérité, Jésus la lumière, Jésus le chemin. Et il dit aux apôtres que ce monde a un prince. Ça sort de la bouche du Seigneur. Alléluia. Si ton voisin ou ta voisine dort, tu le réveilles, tu la réveilles. Quand on combat spirituellement, il ne faut pas dormir. C'est un conseil. Vous risquez de ramasser des choses et de repartir des choses. C'est un conseil que je vous donne. Si le sommeil vous menace, levez-vous. C'est mieux. Pour enseigner et quelqu'un s'est endormi, il y a un démon des morts qui est rentré. Vous savez, vous connaissez cette histoire, non? Il est mort, la personne est morte. Heureusement que Paul avait l'onction pour pouvoir prier sa résurrection. Le Seigneur l'a ressuscité. Donc ne dormez pas. Nous sommes en guerre ce soir. Voilà. Le prince de ce monde vient. Et Jésus dit, il n'a rien dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. Il n'y a rien qui ne lui appartienne. Donc il ne peut rien contre moi. Or, il se trouve que beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens ont des choses en eux qui appartiennent au prince de ce monde. Tu es dans ce processus. Tu conduis son œuvre. Toi, tu vas voir comment les choses vont passer. C'est quand on parle du combat, là, parfois les esprits s'échauffent, même souvent, et ils peuvent t'insulter. Donc, je ne sais pas comment les choses peuvent se passer. Il ne faut pas que tu aies peur.
Alléluia. Le monde dans lequel nous sommes, vous et moi, ça vous le savez, a un prince. Donc en fait, la terre est une principauté. Et dans toute principauté, il y a bien sûr des lois. Il y a des sujets. Il y a toute une organisation. Et la Bible nous apprend que le royaume, Satan a un royaume. Le Seigneur dit, si un royaume est divisé contre lui-même, il ne peut pas subsister. Donc, le royaume de Satan n'est pas divisé. Malheureusement, beaucoup de chrétiens peuvent être divisés. Il est très bien organisé, son royaume est très bien organisé. Un jour, vous allez m'en montrer une vision. J'ai vu le diable sur son trône. J'étais invisible. Les démons ne me voyaient pas. J'étais là avec le Seigneur et j'observais, il me disait de regarder, je regardais cette scène. Il y avait une réunion de plusieurs démons à la tête desquels il y avait Satan. Il y avait aussi des satanistes, des hommes comme vous et moi, qui étaient là dans le deuxième monde, le monde spirituel. Et ils avaient une réunion, la réunion c'était quoi? Autour d'un homme, un avocat, un être humain comme vous et moi, qu'il devait sacrifier. Et j'étais là, je regardais le Seigneur, je me disais, regarde, je regardais la réunion, comment elle se déroulait, c'était horrible. Et j'ai vu le trône de Satan, il était assis dessus, et Dieu a permis qu'il me voie. Il avait des yeux tout rouges. Son regard, si tu le crois, c'est comme s'il t'avale. Et dès qu'il m'a vu, frère, voilà, on va le réveiller à côté, voilà, il ne faut pas dormir, je vous ai déjà averti. On ne rigole pas, il faut vous lever quand. Vous savez, c'est ce que je ne comprends pas, là, frère, il faut pas aller vite. Si le sommeil vous menace, levez-vous. Ici, là, il n'y a pas seulement une seule sataniste. Ah oui. Vous savez, la colonne est bien minée, hein. Donc, voilà comment l'ennemi procède.
Il est dit dans Luc chapitre 16, tout ce qui est élevé dans le monde aux yeux des hommes est une abomination devant le Seigneur. Et la chose que Satan aime beaucoup, c'est le sang. Le sang. Et je voudrais dire ceci. Vous savez pourquoi le Seigneur a prévu, n'est-ce pas, les rapports intimes dans le cadre d'un mariage? C'est parce qu'il y a une alliance qui s'est conclue lors du premier rapport, on en a parlé. Et sans le savoir, Satan, bien sûr, pousse les hommes, sans que les hommes le sachent, il pousse les hommes à avoir des rapports avant le mariage, tout ça. Sans se rendre compte, ces hommes, ces femmes concluent des alliances avec plusieurs individus qui eux-mêmes sont, n'est-ce pas, liés, qui ont des liens familiaux. Donc il y a un échange qui s'opère. Et ça amène, ça attire des démons dans la ville, dans la famille, dans le pays, dans les assemblées. Un mélange terrible. Frères, sœurs, c'est grave. Les gens concluent des alliances sans se rendre compte et il faut les défaire par la prière. Et c'est pas toujours évident. Heureusement que lors de la conversion, le Seigneur coupe tout ça, la brise, tout ça. Mais il faut que l'on soit suffisamment enseigné parce que l'ennemi est très rusé. La ruse est une de ses armes. Il était, comme la Bible nous dit, un grand chérubin. Il était un grand chérubin aux ailes déployées, Ézéchiel 27 nous dit. Ézéchiel 14 nous dit que c'était, n'est-ce pas, un astre. Et il était parfait en beauté. Il avait, en beauté, il était riche. Il avait des diamants, des pierres précieuses que le Seigneur avait mis autour de lui. Et il maîtrise la musique. C'est pour cela. 98% de la musique chrétienne, elle est inspirée par les démons. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Vérifiez ce style de musique. Comparé avec les autres styles de musique profane. Vous allez voir que c'est la même chose. Vous enlevez les paroles, c'est le même rythme. Frères, sœurs, il opère, il travaille l'ennemi, il fait des ravages, il fait des dégâts, il détruit, il casse, il renverse. C'est un sanguinaire, c'est un méchant. Il est Dieu, il a de la haine contre Dieu, il a de la haine contre tout ce qui a trait, tout ce qui touche au Seigneur Jésus-Christ. Jésus, j'insiste, le maître, notre maître, nous dit que Satan est un prince. Et on sait ce que c'est un prince. Regardez la principauté de Monaco. Comment un prince est exalté, comment ils sont, n'est-ce pas, respectés. C'est un prince et il a des démons autour de lui. La parole 12 nous dit qu'il a entraîné dans sa chute un tiers d'ange. Sa queue a entraîné un tiers d'ange. C'est-à-dire, si ces anges qui sont devenus des démons devaient se matérialiser, la terre n'est pas assez grande pour pouvoir les contenir. Ça peut vous choquer, même l'univers. Tellement qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux. C'est pour cela qu'une personne peut être possédée par une légion, c'est-à-dire entre 3000 et 6000 démons. Voyez, la sœur a témoigné. Le Seigneur est en train de finir sa délivrance. Pourquoi? Elle vient de loin. C'était un zoo. Elle était un zoo. 4 appartements. Elle est sortie avec des hommes mariés. Et la publicité, elle s'est convertie à un mois. Elle a couché un pont avec son copain. Vous voyez, des portes, tout ça. Donc. Quand vous voyez les comportements des chrétiens, les comportements, les caractères parfois bizarres, tout ça, c'est pas. Souvent, parfois, ce sont des esprits qui sont derrière.
C'est important que vous voyez tout ce que vous entendez, tout ça. Ça, on a fait avec l'esprit de l'homme. Voilà. C'est les démons guerriers.
qui sont à la base des guerres. Ils sont à la, c'est eux qui gèrent les cités. Quand vous avez affaire aux cités, où il y a des problèmes avec la délinquance, ce sont les esprits guerriers qui sont là, qui travaillent. D'accord? Et les arts martiaux. Oh, mon enfant fait de l'art martial, tout ça là, tout, boxe, karaté, quoi. Ce sont les démons guerriers qui sont à la base. D'accord? Ça peut vous choquer, mais qu'est-ce que vous me racontez? Certaines choses, si vous n'êtes pas éclairé par le Seigneur, vous ne pouvez pas les comprendre. Il faut être chrétien pour comprendre une chose. Voilà. Donc, vous savez, maintenant, les sectes qui sont implantées par des prophètes, des faux prophètes, eh bien, ce sont les anges messagers corrompus, des démons, qui sont à la base de fausses prophéties, fausses visions. Et parmi ces anges messagers qui sont quand même des fausses visions, qui créent des religions, comme vous connaissez, hein, et qui apparaissent aux prophètes et qui donnent des anges de vision, ça crée des religions qui contredisent la Bible. Eh bien, ces sectes-là, ces religions-là, elles sont inspirées par des démons qui étaient des anges messagers, des anges de la prophétie, des anges de vision, qui sont devenus des démons. Et eux, leur rôle, Satan les envoie dans sa principauté pour égarer les hommes avec des visions, avec des... Il les illumine. Et si quelqu'un dirige une assemblée locale, s'il n'est pas assez humble, s'il ne fait pas attention, tout le monde, même moi qui vous parle, s'il n'y a pas une vie de prière, une vie de consécration, si on n'est pas à l'écoute, si on n'est pas entouré par les bonnes personnes qui peuvent nous dire des vérités, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu crées une religion, ça peut même une église de maison, dans une maison, même s'il y a 3-4 personnes, tu peux créer ta secte. Toute personne qui dirige une assemblée est, n'est-ce pas, exposée à ces démons. Ça va très vite. Ils inspirent beaucoup de choses de vaudou, Ekanga, Maïkari, franc-maçonnerie, Rose 3, le catholicisme romain, le protestantisme, ils inspirent aux hommes toutes ces choses. Ils sont très, très, très dangereux, ces esprits-là. Et ils font des apparitions à Lourdes sous la forme de Marie, la mère de Dieu, soi-disant, tout ça. Et ça égare des multitudes de gens. Satan, il est très organisé. Il sait que nous avons été créés pour adorer Dieu. Alors il envoie ces esprits, il envoie ces démons qui viennent. Toutes les assemblées, je dis bien toutes les assemblées, sont, n'est-ce pas, Satan a dépêché les esprits pour surveiller toutes les assemblées. Dès l'endroit où une église prend naissance, il y a des esprits qui sont dépêchés pour tourner autour. Ce sont les esprits, les faux, les messagers, les esprits guides. N'est-ce pas? Ils sont à la base du spiritisme, ils sont à la base de la kundalini, ils sont à la base du yoga, de la méditation transcendantale, ils sont à la base de tous les ismes que vous connaissez, tous les ismes, le christianisme, un tel isme, tout ça. Et l'objectif c'est quoi? C'est créer la religion qui sont devenues des prisons afin d'enfermer les gens là-dedans. Et de les éloigner de la vision du royaume de Dieu qui n'a pas de limite. Et on s'enferme dans une église de maison, on s'enferme dans une église bâtiment, on s'enferme dans une, n'est-ce pas, dans un fonctionnement, et on croit être parti, on est complètement séduit. Et ça va très vite. Je suis en Allemagne. La mission. J'arrive là-bas. Dès après la première nuit, Dieu m'ouvre les yeux. J'étais en mission et il me montre un faux Jésus qui était là. Et j'ai vu des chrétiens de cette ville où je suis allé adorer et en étant à genoux ce faux Jésus. Je leur disais, mais c'est pas Jésus. Ils disaient, si c'est Jésus. Je disais, non, c'est pas Jésus là. Ils disaient, si c'est Jésus. Je dis, non. Et je vois Satan qui veut me voir. J'avais ma Bible avec moi. Il l'apprend. Il commence à courir après. Je cours après lui. Je rattrape. Je récupère ma Bible. Et je me réveille, Dieu me dit, ils adorent un autre Jésus. Quelques mois après, j'ai eu une vision. Deux pigeons sont venus.
ils m'ont enlevé, ils m'ont emmené sur une haute, n'est-ce pas? Il y avait une statue sur un endroit très très surélevé, très élevé. Il y avait une statue, le faux Jésus qui était là. Et la statue a commencé à me dire, c'est moi Jésus. Je lui dis, non, t'es pas Jésus. Elle me dit, c'est moi Jésus. Non, t'es pas Jésus. Et je lui dis, je veux voir le Père. Je lui dis, quel est le nom du Père? La statue de faux Jésus. Jésus me dit, le Père n'a pas de nom. Je lui dis, si le Père a un nom, le Seigneur m'a dit, je leur ai fait connaître ton nom. Donne-moi le nom du Père. Alors la statue commence à bouger comme ça. Et je lui dis, je veux voir le vrai Jésus. Et j'ai vu le ciel s'ouvrir. Et le Seigneur était descendu. Et la statue était brisée. Et Dieu, quand je me suis réveillé, vous savez, tu vois, voilà comment Satan change le message de mes envoyés. Il commence avec le vrai Jésus, et au fur et à mesure, il change le message, et il commence à prêcher un autre Jésus-Christ. Et Paul l'a dit, si vous recevez un autre évangile, ou un autre Jésus, encore un autre esprit, vous le soutenez fort bien. Je tiens à vous dire que la plupart des églises en Martinique, en Guadeloupe, à Paris, partout le monde, adorent un faux Jésus. C'est un démon. Vous voulez que je continue? C'est la parole qui va complètement régler son affaire. Mais toi, serre seulement ma ceinture. Alléluia! La voyance, l'astrologie, le tarot, tout ça, ce sont les anges qui étaient des messagers, qui sont devenus des démons et qui sont devenus des messagers de la mort. Ce sont les anges comme Daniel que Satan a entraîné avec lui. Et c'est eux, ce sont les anges qui inspirent les hommes, qui révèlent les choses qu'ils veulent aux gens. Qui ont suivi Satan, c'est-à-dire les anges qui faisaient l'adoration comme les séraphins. Il y en a beaucoup qui ont suivi Satan comme lui-même était un chérubin. Ils connaissent la musique. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Satan sait que la musique vise l'âme. La musique crée les émotions. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va inspirer, n'est-ce pas, la musique au monde. Le rap, le rock. N'est-ce pas? Alléluia. Dieu s'en fout de son affaire. Alors, Dieu est bon. Tu vois que Dieu est bon. Écoutez bien, chrétien, ces choses-là, Satan n'aime pas que les gens les découvrent. Il a inspiré la musique par. Il utilise les ex chérubins, les anges de la musique. Il a inspiré la musique aux hommes. Regardez bien. Quand vous écoutez du zouk, vous avez tendance à aller vers le sexe. Quand vous écoutez le rap, vous avez tendance à aller vers la violence. Quand vous écoutez le rock, c'est pareil, la violence, tout ça. Voyez, voilà comment Satan fonctionne. Et il a inspiré également, pour le combat soit pareil, il a inspiré aussi, pour beaucoup les chrétiens, vous choquez, le gospel, la musique gospel. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que le gospel, littéralement, veut dire l'évangile. Or, l'évangile, c'est quoi? C'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. L'évangile, c'est le fait de dénoncer le péché. L'évangile, c'est le fait de dire aux gens, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Or, le gospel, là, quand il y a des concerts de gospel, c'est payant. Quand il y a un concert de gospel, on vous vend les CD, on vend les DVD. La plupart des chants de gospel sont des orgueilleux, sont des stars, et c'est vedette. Donc, l'esprit de Jésus, c'est l'esprit d'humilité. Donc vous comprenez que derrière cette musique, ce n'est pas le seul esprit qu'il y a. C'est un autre esprit. Même s'il y a un gospel Noël.
Voyez les amis, maintenant c'est à chacun de vous de savoir ce que vous voulez. Moi je vous délivre l'information. Voilà. Frères et sœurs, il est très bien organisé le prince de ce monde. La plupart des gens qui ont pris les sorciers, qui ne se connaissent pas pourtant, ils te parlent de la même chose. Comment ils vont dans le deuxième monde, comment ils sortent astralement, avec leur corps, avec leur esprit. Ils vont dans le deuxième monde pour fabriquer maquillage, pour fabriquer des produits cosmétiques. C'est impressionnant. J'ai délivré, j'ai prié par exemple pour une famille que le Seigneur délivrait, je faisais leur délivrance au nom de Jésus. Trois jeunes filles. La dernière avait 8 ans. L'aînée avait à peu près 14 ans. Elle m'a dit, moi, l'aînée, hein, là, je suis une princesse. Je suis la sirène des eaux. Je suis Mami Wata. Elle dit, avec mes soeurs et mon frère, ma soeur et mes deux frères, ils étaient 4. Nous allons toutes les nuits dans le deuxième monde. Elle me dit parfois, quand on a beaucoup de travail, nous restons, parfois moi, mes frères et soeurs rentrent, moi je reste jusqu'au lendemain de 18h, voilà, je peux rester 2 ou 3 jours là-bas. Je dis, mais et ton corps alors qu'il reste à manger? Elle me dit, c'est un démon avec qui je collabore, qui va chez moi, qui entre dans mon corps, et comme ce démon connaît toute ma famille, le matin, mon corps se réveille avec le démon à l'intérieur, et je fais tout ce que je faisais d'habitude, à l'école, faire le ménage, tout, et parler avec mes parents. En fait, c'est un démon, et moi, mon esprit n'était pas là, il était dans le deuxième monde. Et il fallait voir sa délivrance. Quand Satan est tombé, Apocalypse 12 nous dit qu'il y a des démons. L'ange a dit malheur aux eaux et à la terre. Car le diable est descendu vers vous, étant animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc il y a une grande partie de démons qui sont tombés. Hein, ces démons sont tombés dans les eaux. C'est pour cela que vous avez des mamies ou attends. C'est une réalité. Les esprits des eaux. Regardez, je suis allé au Gabon. Un colonel est venu me voir, le neveu du président Omar Bongo qui est décédé. Le colonel Bana, il s'appelle, je peux donner son nom parce qu'il a témoigné publiquement à Libreville. Le colonel Bana était l'homme le plus puissant après le président du Gabon. Quand le président voulait donner de l'argent à quelqu'un, il demandait au colonel Bana d'aller prendre l'argent. C'est celui qui avait la clé du coffre. Sachant que le Gabon était un pays très très riche. Le pétrole à Congo. Et le colonel Bana nous dit, frère, un jour, deux de mes amis m'ont donné rendez-vous au bord de la mer, vers 3h du matin. Le colonel s'est rendu à la mer, et il me dit, un vent a commencé à souffler sur la mer, et nous avons vu une dame sortir de l'eau, jusqu'au niveau de son buste, de la poitrine, seulement on voyait longs cheveux, et c'était la reine des côtes, c'était la sirène des autres, c'était Mami Wata. Et Mami Wata leur dit, où sont mes 12 litres de sang? Elle a demandé au colonel Bana. Le colonel Bana dit, c'est comme ça qu'il parlait, mademoiselle, la mort est fermée, et où aurais-je à cette heure-ci ces 12 litres de sang? Et la sirène se retourne vers les deux amis du colonel Bana. Elle leur dit, ne lui avez-vous pas dit qu'il fallait qu'il m'amène ces 12 litres de sang? Vous qui êtes déjà, qui me connaissez? Et elle les a frappés tout de suite, de folie. Et elle a dit au colonel Bana, comme tu es novice, donc demain, tu dois m'amener ces 12 litres de sang. Et elle est repartie dans les eaux. Le lendemain, le colonel Bana nous dit, son téléphone physique sonne. C'était la sirène qui lui a donné rendez-vous à l'hôtel, à l'hôtel principal de Libreville. Elle lui dit, je suis dans la chambre d'hôtel.
le colonel Nana tremblait. Et il est parti avec elle là-bas. Effectivement, on lui dit, oui, demoiselle, n'est-ce pas, un petit prince, tout ça là, vous attend. Il est monté, il y avait la sirène. Le colonel ne savait pas quoi faire. Il est venu, il a confessé pour la prière de la délivrance. Un autre monsieur qui ne voit rien est venu me voir, un homme de 56 ans à peu près. Il était mal. Il me dit, frère, prie pour moi, tel que tu me vois là, je suis un ex-milliardaire. Pour avoir de l'argent, je suis allé voir faire un pacte avec la sirène des eaux, la reine des eaux. Et elle m'est apparue chez moi, je l'ai épousée. Et chaque jour, chaque jeudi, pardon, elle me vomit 1 milliard de francs CFA. Et je dois terminer cet argent avant minuit. Sinon, je deviens fou. Donc, ce monsieur donnait l'argent comme ça à tout le monde. Et très jalouse, cette déesse. Et il dit, je ne veux plus, j'en peux plus. Parce que c'était le sexe, tout le temps. Et le monsieur, n'est-ce pas, il était usé, il mourait. Mes amis, à peine que je l'ai touché au nom de Jésus, il est tombé comme un serpent, il bougeait comme un serpent. La sirène a commencé à se manifester, à nous insulter. Et le Seigneur l'a délivré. Ah oui, le Seigneur est magnifique. Donc voyez, frère, les gens ils pensent que non, ce sont des histoires. Histoire? Ah non, mais mes amis, frères et sœurs, le Seigneur, je vous rappelle encore le passage que nous avons lu, il dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien à moi. Or, beaucoup de gens ont des choses qui appartiennent à Satan. Satan travaille comme un huissier. Et s'il vient chez vous et qu'il trouve des choses qui lui appartiennent, le mensonge, l'orgueil, le manque de pardon, les critiques, les murmures, l'hypocrisie, s'il trouve la convoitise, il trouve le sexe, c'est fini. Dieu va nous avertir, mais si on n'est pas à l'écoute, Dieu parle de plusieurs manières. Si on n'est pas à l'écoute, on ouvre les portes, il rentre. Les Écritures nous parlent de plusieurs cas de personnes possédées. Si nous parlons de l'ancienne alliance, Dieu nous dit, Josué 24, a sorti Abraham de la Mésopotamie. Pourquoi? Parce que Térah, le père d'Abraham, adorait d'autres dieux, c'est-à-dire des démons. Ça a commencé en Mésopotamie, la Babylone. Tout est né là-dedans. Nous sommes tous sortis de Babylone. Tout le monde est que nous sommes là. Babylone, c'est la terre, c'est le monde dirigé par Satan. Nous sommes sortis de Babylone. Et sur le plan physique, c'est l'Irak. Et la Bible nous dit qu'ils adoraient d'autres divinités. Et quand on commence à regarder dans l'histoire biblique, on s'aperçoit que Babylone avait une divinité principale du nom de Marduk. Marduk ou encore Bel, le dieu Bel que vous voyez dans Jérémie. S'il vous plaît, vous pouvez arrêter au chewing-gum, s'il vous plaît, pour moi, ça va m'aider. S'il vous plaît, que Dieu vous bénisse, merci pour votre compréhension. Le dieu Bel. Bel a donné plus tard Baal. Baal signifie le maître. Le maître. L'époux. Le possesseur. C'est-à-dire, c'est un démon qui veut posséder. Posséder. Et Baal, aujourd'hui, est le dieu de la prospérité. C'est-à-dire le dieu de l'évangile de prospérité. Qui possède plus de 95% des pasteurs. Baal collabore avec Mammon, le dieu Mammon. Mammon de la richesse. Mammon. Et je vous assure, c'est Mammon et Baal qui tiennent avec une troisième divinité, n'est-ce pas? Qui tiennent les églises, c'est-à-dire le dieu Ishtar, Astarté, n'est-ce pas? La Marie, la mère de Dieu, la reine du ciel, et tout ça, ça gère, c'est eux qui gèrent la plupart des églises. C'est pour cela que vous avez des pasteurs qui divorcent, qui se remarient sur le sexe. C'est pour cela que vous avez des jeunes filles qui sont des pasteurs sur le sexe. C'est pour cela que vous avez des pasteurs qui changent, qui perdent leur onction à cause de l'argent. Mais c'est grave! Les démons sont assis.
ont pris possession. Pierre disait à Simon le magicien, que ton argent périsse avec toi. Aujourd'hui, où sont ces prédicateurs qui peuvent parler comme ça? Ils sont contaminés par ces démons. Frères, sœurs, autre Dieu nous aide. Comment voulez-vous que les églises soient puissantes si elles sont contaminées à la base? Le Seigneur dit quoi à l'église de Pergame? Je sais où tu demeures. Et là aussi est le trône de Satan. Comment c'est possible? Là où il y avait l'église de Dieu, c'est là où il y avait le trône c'est le royaume, le trône de Satan. Vous en êtes compte? Les enfants de Dieu se sont réunis pour prier. On nous dit dans Job 1, Job 2, Satan est venu au milieu. Il n'a pas peur de nous. C'est écrit, les fils de Dieu, ce n'est pas les anges au ciel, non. Satan n'a pas accès au ciel. Non. C'est les fils de Dieu comme vous et moi. Ils se sont rassemblés. Satan est venu. Comment ne l'ont-ils pas vu? Ben, ils étaient déguisés. Ils étaient déguisés, ils l'ont pris pour un frère. Ils l'ont pris pour un fils de Dieu. C'est Dieu qui l'a vu pour lui. Il lui a demandé d'où viens-tu? Vous rendez compte, frères et sœurs? Un homme que j'ai formé, qui était très connu, il allait ici et là. Quand Dieu a dévoilé ses œuvres, j'ai eu une vision. Je tenais un boa énorme. Comme ça, la tête ici, la queue de l'autre côté, et je l'avais comme ça sur mon cou, j'allais le jeter quelque part, je le jetais dans une maison. Je lui disais, il y a longtemps tu es avec moi et tout. Je ne savais pas que tu étais un serpent. Je fermais la porte à clé, il est sorti par un trou, il est rentré dans une forêt. Plus de 10 ans de collaboration, tu manges avec, tu dors avec un émissaire de Lucifer. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, mes amis. Jean dit quoi? Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas de nôtre. C'est terrible. Judas, le Seigneur dit, l'un de vous, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi pour les 12, mais l'un de vous est un démon. Frères, sœurs, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous avons des esprits comme Moloch. Le temps nous manque pour aller dans tous les versets, mais je vous donne des informations que vous connaissez déjà. C'est-à-dire les rappels pour certains. Moloch, par exemple. Moloch, c'est qui? Moloch était une divinité chez les Ammonites. Les Ammonites, c'était qui? Les descendants de Lot et de sa fille. Moloch, Lot a eu des rapports sexuels avec sa fille. Ça a donné naissance, n'est-ce pas, à Moloch, comment dire, à Ammon. Ammon, Ammonite, le peuple Ammonite. Et regardez, Moloch était une grande statue, énorme, avec une bouche, une grande gueule, une grande bouche, et il y avait des cordes. Ses mains, n'est-ce pas, étaient énormes, il y avait des cordes sur chaque main, et ses prêtres, à l'intérieur de cette statue, il y avait une fournaise qu'on chauffait à bloc. Et on mettait sur ses mains, dans ses mains, des enfants, des bébés, en l'occurrence. Et les prêtres tiraient les cordes et ces enfants tombaient vivants dans la fournaise. Et pour éviter que les parents et d'autres personnes entendent les cris de ces enfants, de ces bébés, les prêtres jouaient le tam-tam pour couvrir les bruits des enfants. Moloch aime les enfants et on retrouve Moloch dans l'église catholique. Quand vous baptisez vos enfants, là, les bébés, on les consacre à Moloch. Quand les femmes font des avortements, elles ne se rendent pas compte, elles versent le sang, on arrache, on tue les bébés, on récupère l'âme de l'enfant, le sang, et c'est Moloch qui prend ça. Lui, sa spécialité, c'est les enfants. Sans se rendre compte, des femmes tuent
Quand tu perds, quand une femme fait une fausse couche, c'est pas que c'est le sang qui coule. Eh bien, Moloch récupère ce sang, le sang de tous ses enfants. Dieu récupère leurs esprits, il n'y a pas de souci. Mais le sang, c'est ce démon-là, Moloch, qui prend ça. Toutes les femmes qui ont avorté ont conclu une alliance avec Moloch. Si vous n'avez jamais confessé même publiquement, là, c'est le moment de le faire pour vous défaire cette alliance. Qui a déjà fait des avortements ici? Pendant la prière, vous allez renoncer ces choses si vous n'êtes pas, vous n'avez pas encore fait ça là. Renoncer hein, cette alliance, couper cette alliance entre vous et Moloch. Parce que ça peut bloquer vos vies, ça peut bloquer votre mariage, ça peut bloquer beaucoup de choses, parce qu'il y a des choses là qu'il faut défaire. On joue avec le feu. Satan lui sait. Il n'oublie rien, c'est un calme d'esprit. Le roi Manassé, si vous lisez dans 2 rois 21, 2 chroniques 31, 32, 33, le roi Manassé, n'est-ce pas, a sacrifié son fils aîné à cette divinité. Le roi Salomon s'il est tombé. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il a bâti des hôtels, n'est-ce pas, à Moloch, à des divinités païennes, divinités égyptiennes. Satan est tellement rusé qu'il a introduit la Trinité dans les églises, la doctrine de la Trinité. C'est Horus, Isiris et Isis, les divinités égyptiennes. Alors que Dieu est un, il se révèle comme Père, Fils et Saint-Esprit. Nous, on a créé 3 personnes distinctes. Donc, on dit, ces personnes sont co-éternelles. Ces personnes, vous vous rendez compte, mais c'est la folie. C'est devenu le fondement du christianisme. Voilà comment Satan a introduit la magie égyptienne dans les églises, dans le christianisme. Astarté, la reine du ciel, la divinité qu'on adorait dans Éphésiens 4, 19, 20, tout ça, la Diane des Éphésiens, Artémise, ah, c'est cette divinité-là qu'on a, n'est-ce pas, on a changé son nom en celui de Marie, Mère de Dieu, au concile d'Éphèse en 431. C'était à Éphèse. Les Éphésiens, dans Actes 9 et Actes 20, adoraient Diane. Et vous savez pour eux, selon les Éphésiens, d'où sortait cette divinité? C'était une statue à l'époque. Et ils disaient que cette statue venait de Zeus. Parce que Zeus signifie ciel. Quand on dit que la statue est tombée du ciel, le mot ciel, là, c'est Zeus. Zeus. Tamuse et Astarté, Moloch, on retrouve ces divinités-là dans les Écritures. Et Dieu dit aux enfants d'Israël, quand vous entrerez dans la terre de Canaan, n'adorez pas leurs divinités, ne sacrifiez pas vos enfants à ces démons. Pourquoi? Les Cananéens étaient des grands adorateurs, des divinités terribles. Dieu le dit dans Deutéronome 18, à partir du verset 15. Deutéronome 18, à partir du verset 11. Amen. On va le prendre. Est-ce que ça vous intéresse tout ça? Oui. Deutéronome 18, à partir du verset 9. Quand tu seras entré dans le pays que Yahweh, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à faire les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille. Donc là, c'est le Dieu Moloch, hein, les sacrifices. D'accord, les enfants. Personne qui pratique la divination, l'astrologie. Oh, mon signe astral, tout ça. Ah bon? Toi qui es créé à l'image de Dieu, tu es un poisson. Ne va dans l'eau si tu es un poisson. Alléluia! Il n'y a pas un homme digne de ce nom qui peut laisser la place aux femmes qui sont debout. Il n'y a pas de frère qui soit. Voilà. Laisse la place à la sœur. Ou à d'autres femmes qui sont debout. Mes frères, la galanterie.
hommes qui lui donnent la place. Vous pouvez venir. Voilà Dieu. Nous devons honorer le Seigneur et honorer nos sœurs parce que ce sont nos mamans qui nous ont portés. Voilà Dieu. Voilà. Frères et sœurs, c'est terrible comment l'ennemi procède. Comment l'ennemi attaque. Et Dieu dit, ici, il dit quoi encore? Il dit qu'on ne trouve personne qui pratique l'augure, la sorcellerie, ni d'enchanteur qui use d'enchantement, personne qui consulte les médiums ou dise la bonne aventure, les médiums. D'accord? Personne qui interroge les morts. Quand quelqu'un décède, vous commencez à parler au corps. Vous pratiquez, n'est-ce pas, la médiumnité. On ne parle pas aux morts. Oh, tu es parti. Oh, tu nous as laissé. Non, mais là, tu vas attraper un démon. Là. Qui a déjà fait ça? Il faut se repentir. On ne parle pas aux morts. Oh, la fête de Toussaint, embellir vos tombes, n'est-ce pas, allumer les bougies, parler, pleurer, vous culte. Vous êtes dans un culte des morts. Qui pratique ces choses-là? Il faut la repentance pour défaire les liens démoniaques. Alléluia! Oh, Halloween, tout ça, là, ce sont des choses qu'il ne faut pas faire, mes amis, là, c'est très dangereux. Et la Bible nous dit, car quiconque fait ces choses est en abomination à Yahweh. Et à cause de ces abominations, Yahweh, ton Dieu, va chasser ces nations-là devant toi. Tu seras intègre avec Yahweh, ton Dieu, car ces nations que tu vas déposséder écoutent les pronostiqueurs et les devins. Mais à toi, Yahweh, ton Dieu, ne le permet pas. Regardez, quand vous allez voir des pasteurs, leur dire, homme de Dieu, tu n'as pas une parole pour moi, vous pratiquez la médiumnité. Vous pratiquez la voyance. Vous poussez les pasteurs et les prophètes à avoir des paroles pour vous, alors que Dieu ne leur a rien dit. Donc vous les séduisez et eux tombent dans le piège et ils deviennent des voyants, des marabouts. Vous pratiquez la sorcellerie. Il faut la repentance. On n'a pas consulté les prophètes, on n'a pas consulté les pasteurs pour connaître la volonté de Dieu. Si vous consultez un pasteur pour connaître la volonté de Dieu pour votre mari, votre femme, vous consultez un voyant. C'est de la voyance, de la sorcellerie. Dieu est à ces choses-là sont en abomination aux yeux de Dieu et Satan est rusé. Il a inspiré beaucoup de choses à faire. Je vous dis, hein, il n'aime pas ces choses-là. Il n'aime pas que les yeux des gens souffrent. C'est pour ça qu'il était des drôles. Et il sait aussi que nous sommes des êtres émotionnels. Ça, il le sait. Il se sert des émotions que nous avons, des sentiments pour nous avoir. Tu sais que ce que tu fais, ce n'est pas bon, mais parce que tu aimes cet homme, tu aimes cette femme, tu ne veux pas prendre position pour la vérité. Voilà comment l'ennemi arrive à nous avoir aussi, des sentiments. Alléluia! Frères, les démons sont des esprits, comme vous le savez, et ils sont dépourvus de corps. Et ils cherchent désespérément un corps physique pour pouvoir bien travailler sur notre monde. Ils cherchent des corps. Ton corps est comme un vase, nous dit la Bible. Mon corps est comme un vase qui peut être rempli, peut être possédé, occupé. Soit par Dieu, soit par les autres. Regardez, la plupart des démons ont la forme d'animaux. On parle de grenouilles, notamment serpents, vous voyez non? Scorpions, Apocalypse 9, ils ont la forme, mais certains animaux impurs, dont Dieu, n'est-ce pas, avait interdit la consommation hein, aux Hébreux, ces animaux-là, en fait, pour votre information, étaient aussi des images, l'image des démons. On les appelle les oiseaux impurs. Voilà pourquoi Pierre disait dans Acte 10. Je ne veux rien manger d'impur.
C'était comme les démons. Et Apocalypse 18, 19 nous dit que Babylone est devenu un repère des démons et de tout oiseau impur. C'est pour ça que vous voyez des démons en forme de lézard, des démons en forme de serpent, des démons en forme de. Vous voyez, même dans la mythologie grecque, hein, comment on appelle ce démon-là, qui est mi-homme, mi-cheval. Mais centaure, voilà. C'est des réalités. Ce sont des réalités. Les divinités gréco-romaines. Les enfants vont passer par là-bas, il faut le sauver. Ils passent par ici. Les divinités gréco-romaines, la mythologie gréco-romaine, égyptienne, tout ça. Ce sont des mythologies qui sont inspirées de la parole de Dieu parce que les démons sont tombés. Quand on parle de Hercule, par exemple, voyez. Et ils travaillent, ils sont là, ils affectent les gens, ils possèdent les gens, ils envoûtent les gens. Et c'est bien, il faut se lever parce que là, c'est voilà. Ça travaille. Chaque démon a une spécialité. La sirène des eaux, l'esprit des eaux, c'est l'esprit de la séduction. Par le sexe. Alléluia. Par le sexe. Ça touche les gens, ça brise le foyer. Ça brise le foyer et ça amène aussi. Il y a aussi un esprit qui travaille beaucoup aux Antilles, qu'on appelle le dorlis, si ça vous connaissez. Voilà. Mari d'une femme de nuit chez les Européens, c'est succube ou incube. Voilà. Tu dors la nuit et ils viennent. Et ils couchent avec toi, ils te salissent, tu te réveilles, t'es comme si tu étais rentré avec quelqu'un. Oui, là, ça veut dire que tu es, il y a un dormis qui te souille. Qui a déjà vécu ces choses-là? Voilà. Les dormis, ça provoque le célibat, ça provoque, n'est-ce pas, la frigidité dans les rapports, ça provoque même des fausses couches. Voyez? Ça provoque le divorce. Ça va très loin. Il y a des gens, on a connu une femme en 87, 88, on était encore petit, on venait de découvrir la délivrance. On venait de découvrir une femme, elle était mariée à un esprit de nuit, et chaque année, elle avait une poitrine opulente, qui prenait du volume, comme une femme enceinte, elle avait même cette femme qui était enceinte. Elle avait une perte des os au bout de 9 mois. Et puis ensuite, elle a couché. Quand elle a couché, elle faisait comme si une femme, comme les femmes enceintes. On a connu aussi une autre femme qui venait de la Réunion, de l'île de la Réunion, qui elle se faisait carrément violer pendant le jour. Elle voyait ce démon venir en pleine journée. Elle criait et il la violait. Elle tombait enceinte mystiquement. Elle avait du ventre. Elle avait tous les symptômes d'une femme enceinte. Au bout de quelques mois, elle criait et elle voyait elle-même des enfants mystiques de sortir de son. Voilà. Oh, les gens ont des problèmes, les gens ont des situations, je vous dis là, mes amis, et vous allez vous attacher, vous allez coucher avec n'importe qui, vous ne vous rendez même pas compte que vous attrapez les démons de cette famille, vous attrapez les liens familiaux depuis des générations, ça fait une addition des choses. Quand vous couchez avec un homme, une femme, qui n'est pas votre mari, votre femme, c'est pas le mariage, tous les liens familiaux de cet homme deviennent vos liens. Toutes les malédictions ancestrales deviennent vos malédictions. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 15 à 18, il est dit que celui qui s'attache à la prostituée devient un seul corps. Voilà pourquoi il dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire quoi? Littéralement, quand vous devenez un, vous mélangez, vous partagez tout. C'est pour cela que quand je vois des jeunes gens, des hommes, des femmes dans nos églises, dans le monde, ça on connaît, mais dans nos églises, ils vont coucher à gauche, à droite, des jeunes filles qui chantent dans la chorale, qui couchent n'importe comment, les gens ne comprennent pas, il y a un mélange, vous mélangez, et les gens ne se rendent pas compte que plus ils font ça, plus ils s'enfoncent, plus ils sont tirés vers le bas, vers l'enfer. Voilà, ils voient les médecins leur disent, on ne peut rien faire pour cette maladie, on ne comprend pas, on ne voit rien, tout ça. Il y a des maladies d'origine microbienne, tout ça viral, ça ok, tout ça, mais il y a beaucoup de maladies d'origine mystique. Des sorts qui sont jetés sur les gens, des paroles que les gens prononcent sur vous de malédiction, parce que vous avez péché, ces malédictions vous prennent, vous attrapent.
un jeune homme qui manque de respect à son père. Son père, s'il commence à murmurer sur lui, la Bible dit que celui qui maudit son père et sa mère, sa langue s'éteindra. Tu maudis ton père, tu parles mal à tes parents. S'ils se plaignent sur toi, parce qu'ils sont tes parents, il y a une loi spirituelle. Automatiquement, une malédiction va te frapper. Les gens ne se rendent pas compte. Hein. On a perdu la moralité. On parle mal à son père, on parle mal à sa mère, on les traite n'importe comment. Ta mère qui t'a porté pendant 9 mois, qui t'a supporté, qui t'a nourri, qui t'a allaité, qui était, n'est-ce pas, là pour te soutenir, même s'il est méchant, s'il est dur, même si elle est mauvaise, c'est ta mère, c'est ton père, tu lui parles mal, tu ouvres des portes, tu appelles des démons qui vont venir et qui vont t'habiter. Alléluia. Amen. Seigneur, sauve-nous. L'heure est grave. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. Il dit le comment n'est pas physique. Il dit nous avons à lutter contre les esprits, les méchancetés spirituelles dans les lieux célestes. Quand on dit les esprits méchants, ce sont les méchancetés. C'est le mot qui est au pluriel. Les méchancetés dans le grec. Les méchancetés dans le lieu céleste. Et ces esprits-là sont terribles. C'est au-dessus de nous. Ensuite, il dit, nous avons à lutter contre les princes de ce monde des ténèbres. Vous voyez, il n'y a plus un prince. Satan est le prince. Prince, le principal chef. Il y a d'autres princes. Il dit, nous avons à lutter contre, n'est-ce pas, les esprits méchants. Contre les dominations, contre les principautés. La lutte est terrible. Ce combat a déjà été vaincu par le Seigneur, oui. Mais nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous maintenir dans la victoire. Sinon, le diable rôde comme un lion rugissant et cherche qui il pourra dévorer. Le verbe utilisé, c'est dévorer. Dévorer. Tu es une proie pour Satan. Je suis une proie pour Satan. Satan, si Dieu ne mettait pas sa main sur la terre, Satan détruirait à une seconde toute la terre. Regardez, vous allez voir, quand quelqu'un arrive au pouvoir, un grand maire, tout ça, la plupart sont francs-maçons, bien sûr. Satan va lui dire, je veux me tenir au pouvoir pendant 14 ans par exemple. Mais il y a un contrat ici. Par le sang, tu te blesses là, tu verses ta vie, le sang, tu signes. Et on te dit, voilà. Tu vas donner, par exemple, tu vas construire un rond-point à tel endroit, tu vas faire une cérémonie, tu vas mettre une statue quelque part. Et vous allez voir qu'à cet endroit-là, bizarrement, il y a toujours des accidents. Il y a une alliance, là. Le sang est réclamé là, il y a une alliance. Et à chaque carnaval, à chaque fête nationale, les contrats sont renouvelés. Qui a déjà remarqué qu'il y a des endroits où il y a beaucoup plus d'accidents que d'autres? Ben voilà. Un jour, un évangéliste qui vit en Allemagne, qui est aussi mon beau-frère, qui est un homme de Dieu, il sortait d'une année de prière à Stuttgart, en Allemagne. Il conduisait des seuls. Il arrive à un endroit où il y a régulièrement d'accidents. À chaque fois des morts, à chaque fois, c'est dans un bois, dans une forêt. Il traversait ce bois, parce qu'il y a beaucoup de bois là. Et à 3h du matin, il voit un géant, un démon, qui faisait, mes amis, au moins 15 mètres, qui enjambait, à l'endroit où il y a des accidents, quand il est arrivé, il a vu ce démon enjamber la route. Il a crié au nom de Jésus. La voiture était dans tout le sens. Ils ont arrêté. Et le démon a disparu. Et c'est comme ça que le démon arrive à récupérer le sang. Un jour, ma mère m'a dit, tu sais, mon enfant, on était au village, donc à l'époque, elle n'était pas encore née. Elle était au village avec son fils aîné, donc mon grand frère. Elle dit, mon fils, mon père, mon grand frère était encore un bébé. À l'époque, ils étaient religieux. Mon père était catholique, elle était protestante. Et elle me dit, à Noël, comme on faisait Noël à l'époque,
ils sont allés à la prière. Mon papa était rentré plus tôt, elle est rentrée tard. Mon papa a fermé la porte à clé. Quand elle est venue, elle a trouvé son bébé, elle a frappé à la porte, elle ne voulait pas ouvrir. Elle me dit, je suis resté devant la porte au village des Noirs. Et elle dit, j'ai vu Kinshasa. C'était un démon à la base. On l'appelait Kinshasa. Il faisait au moins 20 mètres. Elle dit, mon fils, j'étais devant la porte de la maison, j'ai tenu mon enfant comme ça. Elle me dit, heureusement qu'il n'a pas pleuré. Et Kinshasa passait devant pour et il rentre dans une forêt. Frères et sœurs, j'ai vu et je vois comment les démons détruisent les chrétiens, des pasteurs que vous connaissez d'ailleurs, qui ont le feu, qui craignaient Dieu, qui sont venus en Guadeloupe ici. Il y en a qui sont venus de la métropole, des Africains qui craignaient Dieu, qui sont arrivés ici. Au bout de même pas 5 ans, ils sont venus avec leur femme, divorce, remariage, divorce, remariage. Cupidité, et ça commence à faire quoi? Ça va sur les plages, ça chante et ça danse avec des femmes mal habillées. Voilà ce à quoi Satan les a réduits. Ça c'est, ils sont en prison pour quoi? Le sexe. Je suis venu, j'ai appris qu'un pasteur ici qui m'a traité de tout le nom. Non, c'est qui cet Africain? Il ne faut pas qu'il vienne ici. Lui-même il est étranger, il est de la Dominique, je ne sais pas quoi. Maintenant il est tombé dans l'adultère. Voyez comment ça te procède. Et dominicain, voilà. Voilà. T'es étranger, tu veux aussi un étranger soit filé. Pourquoi il a critiqué? Parce qu'il savait qu'il était dans l'adultère. Les démons le tiennent, le tenaient. Et quand la lumière arrive, on critique. Qui veut la délivrance? Alléluia! Une femme, dans Actes 16, elle avait un esprit, quel esprit? L'esprit de Python. Vous voyez, c'est un ange démoniaque, un ange messager de Satan. Ah, sais-tu, qui est devenu un Python, un serpent. On trouve le Python dans le christianisme céleste. Si vous connaissez déjà le livre là-bas, le christianisme céleste, s'habille en blanc, ils sortent de là. Courez, ils sont dans le vaudou, ils s'habillent en blanc, c'est le vaudou, ça, c'est le Python. Les prophètes qui viennent vous imposer les mains alors qu'ils ne craignent pas Dieu, ils vous transmettent des pitons. Un prophète qui vient qui dit, il y a quelqu'un ici, il a un téléphone. Voilà le nom de téléphone, donne le nom de téléphone. Mais c'est quoi cette affaire là, tout ça, piton? Je vous assure, vous savez, avant de venir ici, Dieu me dit d'appeler un frère en Angola, un prédicateur, il craint Dieu. Il appelle, il me dit, tu sais, quand je te parle, il y a un jeune prophète qui veut me voir, qui m'a dit, si je pouvais l'initier à la rose croix, à la lumière, pour qu'il ait l'onction afin d'attirer du monde dans son assemblée. Il me dit, il est prêt à servir au diable pour avoir la puissance. Il me dit qu'il a collaboré avec plusieurs pasteurs au Congo, et des jeunes pasteurs qui avaient l'onction qui se mort avec les démons. Ils ont fait des pactes avec Satan, ils ont eu l'onction, ils ont eu du succès, l'argent des femmes, ils devaient mourir avant 45 ans et ils sont morts. Il y en a un que j'ai connu, je lui avais dit, la part du Seigneur, un apôtre, il couchait avec toutes les femmes, lui dit, tu ne vas mourir, il est mort. Vous savez comment il est mort? Il prêchait des solutions de l'escalade. Il est tombé, il a commencé à vomir du sang, il est mort, en enfer. Je parle avec ce jeune prophète, il me dit, il m'appelle maître, je ne suis pas maître. Il me dit, je suis prêt à être initié, servir le diable. Je me dis, je n'ai pas d'autre chose à te communiquer, ce n'est que la parole de Dieu, le nom de Jésus de Nazareth. Vous vous rendez compte? Chrétien, un conseil. Prenez vos enfants, n'allez plus dans ces assemblées-là. Vous voulez prier chez vous. Priez avec vos maris, vos femmes. Priez avec vos familles.
un essai comme ça. On a vu cet homme qui était possédé par Légion. Le Seigneur lui dit à Marc 4, là-bas, Marc 4, 5. Quel est ton nom? Il dit Légion. Légion, c'est quoi? C'est la Légion romaine qui comptait entre 3000 et 6000 personnes, 6000 soldats. On a vu dans Matthieu 17, cet enfant qui avait un esprit lunatique. Il était épileptique. Il tombait toujours, il tombait n'importe comment. Le Seigneur a chassé ce démon. On a vu cette femme qui perdait son sang. Aucun médecin ne pouvait la soigner. Il y avait un esprit derrière. Paul a chassé l'esprit de Python dans cette femme. Paul arrive à Éphèse. Il a trouvé les Éphésiens qui adoraient Diane, la reine du ciel, la Marie, la mère de Dieu, soi-disant. Pierre, Paul annonce la croix. Paul annonce Jésus. Paul a affronté cette divinité par la parole. Et la Bible nous dit Démétrius, qui était l'entrepreneur, qui construisait des petits temples de Diane. Il va rassembler les gens du même métier en disant notre industrie est menacée. Ce Paul a dissuadé beaucoup de gens et beaucoup l'ont suivi. Et notre métier, est-ce qu'on court un risque? Eh bien, vous ne trouvez pas que c'est la même chose des Démétrius actuels qui, n'est-ce pas, vous font adorer les démons, qui vous font adorer Diane, qui vous font adorer le dieu Mammon, qui vous font adorer le sexe, qui vous font adorer l'argent, qui vous parle des États-Unis, qui vous parle de ministère. Et ils ne savent pas qu'ils sont sous le pouvoir des démons, il y en a qui le savent, bien sûr. Et les gens adorent cette divinité, croyant adorer Dieu. Ils chantent les démons, ils pensent adorer Dieu. Et quand la parole de Dieu arrive véritablement, ces faux pasteurs, ces faux docteurs, ces messagers de Satan, déguisés en messagers de Christ, comme Paul le dit, ces ouvriers trompeurs qui sont déguisés, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à diaboliser les vrais enfants de Dieu. Ils commencent à vous maintenir en prison. Ils vous disent, n'allez pas, c'est l'antéchrist qui est arrivé. Frères et sœurs, le temps de la délivrance. Nous sommes de Dieu et que le monde entier est littéralement le monde entier est plongé dans le mal. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres de ténèbres. Comment savoir que tu es possédé? Si tu n'as plus ta volonté propre, si tu as du mal à arrêter de pécher, de mentir, de voler, de convoiter, de courir après le sexe, si tu as du mal à aimer les autres, si tu as du mal à écouter, à t'humilier, à demander pardon quand il le faut, il y a un problème. Il y a le caractère, il y a aussi un problème démoniaque. Le Fils de Dieu, Jésus seul, pouvait, mes amis, triompher de cette puissance. La Bible nous l'a commencé, chapitre 2. Il a effacé l'acte qui nous condamnait. Et il a éliminé dans le couloir. Oh, alléluia. Frères et sœurs, oh, Jésus. Il y a des choses qui vont vous lâcher. Déjà pendant la prédication, les choses lâchent. Il a effacé l'acte qui était contre nous. L'acte qui était contre nous. Il a, n'est-ce pas, effacé l'acte qui était contre nous, qui consistait en des ordonnances et qui nous était contraire. Et il a entièrement aboli en le clouant à la croix. Verset 15. Il a dépouillé les principautés et les puissances. Il a d'abord géré, réglé le problème de la loi de Moïse qui le condamnait. Ensuite, il a attaqué les démons. Il a, mes amis, dépouillé. Ça veut dire quoi, dépouiller? Pour dépouiller quelqu'un, il faut être en face de lui. Il faut être proche de lui pour pouvoir prendre son vêtement, l'enlever, le dépouiller. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait à la croix?
Pendant 3 heures, la Bible nous dit que la terre était plongée dans les ténèbres. Même la face de la terre qui est éclairée par le soleil, ce jour-là, elle était totalement ténébreuse. Pourquoi? Dites-vous, direz-vous, me direz-vous. Parce que sur la croix, quand vous êtes arrivé sur la croix, Jésus a convoqué tous les démons qui étaient au ciel et des anges, que lui-même a créés. Et ces démons ont reconnu que Jésus était leur créateur. Ils ne sont pas des démons, mais des anges. Il les a convoqués tous. Ils se sont présentés devant la croix. Dans le monde spirituel. Jésus a dépouillé, c'est-à-dire, il a pris les armes de chaque démon. Oh, yeah.
Et il a dit à l'église, je vous donne les clés du royaume. Ce que vous lirez sur la terre, au ciel se délire. Ce que vous délirez sur la terre, au ciel se délire. L'autorité gouvernementale, l'autorité royale, l'autorité de prince, il a fait de nous des rois et des prêtres. Nous avons le mandat pour libérer les hommes. Nous avons le mandat pour libérer les églises. Nous avons le mandat. Jésus. Tu as le mandat. J'ai le mandat. Tu as l'ordre. J'ai l'autorité. Tu as l'autorité. L'autorité apostolique. L'autorité prophétique. L'autorité gouvernementale. Tu es le gouvernement de Dieu. Tu es le mandat de Dieu. Tu es le mandat. 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 Tu es le You are home.